Gornastrolade, Autonde, Dezarvro, Paludère. Continuons maintenant avec Strolade en tourilis de Trescalan, La Turballe, qui nous vient du sud-est de la Bretagne, dans le département de Loire-Atlantique, ou Loire de Bertaigne, comme on peut dire en gallo. Ils viennent du pays paludier, terroir très singulier, et nous présentent des costumes et des coiffures qui pourraient évoquer des destinations lointaines, mais sont en réalité des costumes du travail du marais salant. Ils sèment un vent de bonne humeur et de fraîcheur sur leur chemin. Voici Strolade en tourilis de Trescalan, La Turballe. Mais c'est où le nom? Je sais pas.
Une rhapsodie est une pièce instrumentale libre d'inspiration folklorique. Nous avons nos maisons paludières et nos marais salants pour vous présenter ce grand spectacle. À travers les océans, par-delà les mers, nous avons fait trembler Pékin, vibrer New York et Sao Paulo et rater Ouarzazate. Mais aujourd'hui, nous sommes là pour vous. Pour nous, pour ensemble créer des souvenirs. Paludian Rhapsody, un show complètement salé alors. Place au spectacle. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, j'ai l'immense plaisir de vous présenter Bruno le Chameau. Bruno n'est pas un chameau comme les autres. Non, madame. Non, monsieur. Bruno est un chamiao des marais, nourri exclusivement à la crêpe et à la galette de saucisse, un total sacré bestiau. Attention, Bruno. Tu es prêt? Bruno? Assis!
Assis, Bruno. Assis, debout, couché. Bruno. Ce chameau est une vraie tête de mule. Si ça ne devait qu'on est revenu de Singapour, il n'obéit qu'aux enfants. Oh, mais j'y pense. Est-ce qu'il y aurait des enfants aujourd'hui à Guingamp? Est-ce qu'il y a des enfants aujourd'hui à Guingamp? Super. Est-ce qu'il y a un enfant qui voudrait bien m'aider à dresser cette tête de mule? Ah ouais, viens, super. Comment tu t'appelles? Elsa? Loïsa. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Loïsa. On va faire un petit test. Est-ce que tu peux lui demander bien fort, Bruno, lève une patte avant. Formidable! Extraordinaire! Moi, t'as déjà rentré ce machin, le bras. C'est vrai? Est-ce que tu peux lui demander de faire un tour sur lui-même? Oui! Bravo! C'est génial! Est-ce que vous savez? Est-ce que tu sais, Rita, que Bruno, il a un talent, mais complètement dingue? Figure-toi que cette tête de mule sait faire d'avance des talons. Ouais. Si, si, je t'assure. Vous ne croyez pas? Vous ne croyez pas? Les musiciens, une polka, vous avez bien une polka en stock? Allez, tu peux lui demander, Bruno, danse une polka. Ciao.
mesdames, messieurs, continuez à applaudir bien fort les plus grands danseurs de tout l'Ouest. Et pour vous, ce matin, avec ce beau soleil, nos danseurs vont rivaliser d'audace et d'ingéniosité dans une voûte chantée et dansée. Alors les équipes se forment, nous avons ici l'équipe jaune. Ça va l'équipe jaune? Est-ce que l'équipe rouge est un peu mieux réveillée? Très bien. Alors, pour une première épreuve, nous allons les laisser chanter un chant. Voilà, tout à fait imprévu. Je vais tirer dans ma poche des papiers au hasard et ils vont devoir les utiliser dans cette improvisation. Bon, alors premier mot, on écoute bien l'équipe jaune, on écoute bien l'équipe rouge. Nous on écoute. Vin blanc. Éléphant. Et pour finir, rôti. Ok. Je laisse quelques instants se préparer, mais attention, l'équipe rouge, est-ce que vous êtes prêts? Non. L'équipe jaune, est-ce que vous êtes prêts? Bientôt premier le commandant. Elle a pas de quoi. Je me rapproche. Ouais. Pas trop. Il est grand comme une éléphant. Les poches, décroisez les bras. Ceux qui votent pour les rouges, applaudissez maintenant. Et ceux qui votent pour les jaunes, maintenant. C'est difficile, je pense que le point revient aux jaunes. Alors on va rattraper les rouges pour la deuxième épreuve. Mais non, pas à chaque fois, on va voir sur la prochaine. La prochaine épreuve, ce sera donc 4 thèmes de Pachepi. Ok ? Là, ça va changer. Ça va changer, on verra. Alors, le Pachepi est une danse qui nous vient de la Renaissance et du centre Bretagne. Je laisse un peu les danseurs se concerter. Et ça va y aller maintenant. Les rouges, vous êtes prêts ? Ouais. Les jaunes, vous êtes prêts ?
dessiner et on va la jouer cette fois au you-you maître. Vous allez, vous allez faire ça. Pour les rouges, vous allez le faire maintenant. Et même derrière, on a le droit de participer. Et pour les jaunes, on le fait maintenant. Alors je crois que c'est les rouges, et donc ça fait un partout. Ça fait un partout, et alors là, voilà, ça va être très compliqué. Mais sur la prestation générale, on va la jouer à un dernier vote pour départager les rouges et les jaunes. Ceux qui ont préféré globalement les jaunes, vous allez crier jaune maintenant. Jaune. Et ceux qui vont voter pour les rouges, vous allez crier rouge maintenant. Jaune. Une grande victoire pour les rouges. Et place à la suite du spectacle.